C'est le démon Gorgon. Ah, Hawkins, trop bien. Merci beaucoup. Ok, il est tombé direct sur un Choupix. Choupix, c'est pas une marque de céréales, bien sûr, vous avez compris. Merci Boyd pour les 100 bits. Merci beaucoup, un très très grand merci à toi. Merci infiniment pour ton soutien. Très très merci. Ah, je l'aime bien, j'aime bien. Ah, j'espère qu'il y aura un moteur qui sera fait. Hop là! Oh! Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couru vers cette ouverture. C'est le pire moment pour que ça arrive, ce qui vient d'arriver. Oh, bien ça. Encore tellement de temps, attends. Comment c'est le moteur ici hein. Oh, là, un petit début d'espoir. Je peux me permettre. J'ai couru vers la sortie là, ici, vers ce saut, en me disant voilà. S'il voit les traces, il va se dire que je suis là. Bon, sacrifice, mec, il va passer en P2. Hein. Désolé. Hein. Un peu triste pour toi, mais. C'est très gentil, Marie. Merci beaucoup. La perte terrain hanté, c'est un sortilège. Un sortilège, c'est quand une compétence est rattachée à un totem. Auquel cas, le totem est éclairé, il est enflammé. Pour détruire l'usage de cette perte, il faut profaner le totem. Donc il n'y a pas de QTE à activer. En revanche, ce qui se passe, c'est que en se fixant dessus et en le détruisant, ça détruit la perque. Et terrain hanté fait quoi? Il y a deux totems ensorcelés sur la map qui sont factices et qui ont pour objectif de tromper l'intention de cet ensorcellement. Souvent, ce sont des perques ensorcelées qui apportent un bonus au tueur. Terrain hanté fait que ça te donne l'impression que c'est un bonus pour le tueur, mais en vérité c'est un leurre. Et en le détruisant, tu te mets sur un statut qui est à découvert, auquel cas, si tu es touché, eh ben, mais en état, en bon état, tu es directement couché au sol. Ah ! Tu es en statut à découvert. Quand même, ouais. Faut plus que tu te montres, toi. Hein. Plus du tout, du tout. Hein. Je me mets là. Ouais, j'ai appris que le DLC Stranger Things n'allait plus être dispo. S'il y a plein de choses qui peuvent l'expliquer. Il y a une rupture de contrat. Il y a, ça arrive, c'est arrivé. Il y a des gens qui respectent pas spécialement des contrats. Ça arrive. Genre, hein. Tout comme ça peut être tout simplement la fin d'une exploitation de licence, comme ça arrive couramment quand tu ouais, totalement ouais. Faudrait agir ok. Oh, désolé. Merci. Oh oui. Ok. Par la toute puissance du... Non. Okay. Et ça, t'arrives à la fin de l'exploitation d'une licence. Qu'est-ce que tu veux? Okay. Ah bah t'as plus le droit de l'exploiter. Et oui, il fait quoi? Ah, c'est tellement triste. Vas-y! Oh! Fallait avoir plus qu'un œil!
Et voilà. A priori, les autres, ils s'en ont sortis. C'est ok. Ils s'en sont sortis. Voilà. Il n'avait plus qu'un moteur à faire. Et c'est très agréable, c'est très bien. Voilà. Vas-y, passe. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la danse des cadavres qui en allant dans la mare. Est-ce que je vais réussir le coup de maître ou pas? Non. J'ai fait le max. Non, j'ai fait le max. Il va pas être content. Le à gauche, la droite, gauche droite. Le modem? Ah, il est là. Ah, il va s'arrêter là. Oh, oh. Gars, c'est votre moment! En train de me suivre de loin. J'essaie de tout faire pour l'aider. Hein. Ok, je vous en prie, travaillez dur! Hein. Voilà, merci. Oh. C'est très compliqué. Merci pour le sub, Zeta. Nachos, très important, très très important. Très très important de remercier les personnes grâce auxquelles nous avons des choses qui peuvent être accomplies sur la chaîne. Et... c'est trop cool en fait, c'est trop cool les personnes qui font ça, merci beaucoup, très très grand merci. Ok, oh là là, oh non 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 non, oh non le pauvre. Oh, mon gars, ce sauvetage. Tu ne feras pas de mal à... Aïe, aïe. Incroyable. Mais incroyable, mais le mec. Le rage quitte à la fin. Mais ce rage quitte...